Oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ça, tu sais, tu vois, après, taf, on va à la salle. Tu sais, avec Wallace, on appelle ça comment? On appelle ça un Ricky. C'est quoi, Ricky? Il a un visage, ça a un visage, ça a des s'appelait Ricky, le gars. Bah ouais. Ouais, pour moi, c'est un Simpson, surtout, regarde. Tu trouves pas qu'on dirait un Simpson, là, mec? Trop marrant. Ouais. Content, vas-y, 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 fais ce que t'as à faire. C'est là. C'est qui, Jean? Il bouge. C'est ça. Mais c'est terrible. C'est-à-dire? Non, mais c'est pas mal de commencer comme ça. Ouais. On a honte de rien. Ça. Vous savez, je vais même aller plus loin. Non, allez, c'est si pas c'est du tout obligé. Je vais leur faire. Sur toi, non. Non, ah, pas ça. Quoi, non, mais. C'est pas possible. C'est pas mais comme mais... ça qu'il fallait mettre. Mais non, mais c'est. Non, regarde, moi j'ai mis comme ça. Je suis sûr que c'est évident. Regarde. Voilà. C'est vraiment, tu poses la coque sur ah, ton caleçon. Ah, tu poses la coque sur le caleçon. Avant d'être encore con à nouveau. Oh. Non, là, tu pètes là, tu pètes. Non, c'est le... Mais t'as pété. C'est le truc de grand-mère là, de merde là. En deux phrases, synthétiser le truc, on s'était dit. Tu l'as? J'ai tout. Vas-y, tente. J'ai. Ta mère, la coriace! Qu'est-ce qu'elle est quête à manger, putain! Ça a l'air quelque chose, cette merde là. Oh, cette merde! Oh, t'as pas le droit. Je rigole. Qu'est-ce ça, tu les frérots aussi, je rigole. T'as vu la new gen de YouTube? C'est comme Théodore, quand il pète, on dirait un mauvais souvenir. C'est parce terrible. Parce qu'on a une hygiène de vie déplorable, ah, oui, c'est déplorable, ça. Frère. Eh, moi, t'as vu l'hygiène de vie, t'as vu mon corps? Mort, elle est. Un exemple. C'est la new hygiène de YouTube. New gen. Du coup, écoute les rires, écoute les rires. Bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, on reçoit Jill C. C'est très simple ce qu'on va faire. Le but est de répondre le plus honnêtement et le plus rapidement à des questions. Et si on répond pas bien, on se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus par Charlotte, capitaine de l'équipe de France de paintball. Charlotte, ça va? Ça va. T'aimes bien le paintball? Un petit peu, ouais. Déjà, bravo et merci d'être là. Tout à fait. Merci à vous de m'accueillir. Hein. Est-ce que c'est bien le paintball en France? C'est bien présenté? C'est... Tu te sens bien? Je me sens bien. C'est horrible pour parler c'est à quelqu'un. Et t'as commencé en quelle année? Et il y a 10 ans. Est-ce que tu gagnes ta vie grâce à ça? Absolument pas. Absolument pas. Non. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de monter les tarots? De me donner de l'argent pour jouer au paintball, je veux bien, ouais. Ah, tu gagnes pas d'argent? Absolument pas. J'en dépense. Mais. Mais c'est fou. C'est dur les sports pour gagner de l'argent. C'est comme les nages synchronisées qu'on avait fait. Tout à fait. Bah, faites, chose, montez. Là, regardez ce geste. Parce que qui imagine quelqu'un qui est à moi. J'imagine quelqu'un. Et tu t'adresses à qui? Un gars qui monte les tarots des athlètes. Ministre des sports. Luc adorable. Luc adorable, j'adore. Il l'est d'ailleurs, mais juste, oui. Il est pingre. On peut faire un truc? Tu peux faire un tir à vide, juste pour voir, s'il te plaît. Je vais juste vous demander de mettre les masques pour le tir à vide, s'il vous plaît. Même si on est de dos? Même si vous êtes de dos, ouais. Et si on se cache en dessous, là? Je préfère, s'il vous plaît, avec le masque. Vous connaissez notre amour pour Jackass, et c'est vrai qu'on a un peu ça en commun avec Jill C, le fait de pas être contre l'idée de se faire mal. Et aussi l'honnêteté, c'est très important. L'honnêteté et la douleur. C'est deux trucs qu'on adore. On est là-dedans. Oh, pas la vache. Oh, pas la vache. J'ai eu tellement vraiment peur. Oh merde, c'est ça le bruit. Mais elle sourit, elle est heureuse d'être forte. Ça va pas. Attends, refais une. Ah ouais, ça va pas splash, ça explose pas. Ça va pas splash. Elle a pas splash. C'est pire que ça explose pas. Ça marche pas ton truc. Oh la vache, ça a troué directement. Attends, mais on va se prendre ça sur nous. Attends, regarde bien. Charlotte, t'es sûre que c'est les bonnes. Déjà, vous me dites si ça vous rassure, ça. Parce que pour moi, ma peau est pas plus épaisse que le truc blanc. Hein. C'était pour protéger le studio, voilà, bah, ça. Ça va rien. Oh la vache, bah, c'est fini, le mur du studio. Mais rien que ça, hein, ça. Le mur du studio est niqué. Hein. Mais en même temps, il vit de l'expérience de nos tournages. Mais ça fait partie du décor. Ouais, voilà. Ça fait super mal, Charlotte. Super mal, non, ça fait mal. Prends-moi, super mal, non. Il devient au David, nous avons écrit ce concept. Oui, mais je pensais pas que ça faisait mal. Autant. Mais voilà. C'est vrai que ce trou. Augustin, tu peux aller filmer ce trou? Je crois que je te donnais un prénom au trou. Augustin, ça te dérange pas si on appelle ce trou Augustin? Content. Et regarde. Same, same. Mon très cher David, tu as raison. La jacasserie, la bêtise, bah casser oui. Des trucs. Quand tu casses des trucs, ça me rend heureux. Déjà, on a ce truc, on aime ça, c'est vrai. Vrai. Et l'honnêteté, il y a eu la chanson honnête, les anecdotes, tout ce qui est du postulat de dire la vérité, d'être honnête, de pas avoir honte de rien. Nature, peinture. Ah bah là, peinture, ça marche bien. Ah oui, nature, peinture, ce sera le titre du format. C'est bien, je trouve. Non. Réfléchis bien. Moi, je l'aurais appelé comme ça. Et il aurait bidé, je pense. Dans un monde où on a besoin de nuances, de discussions, de dialogues, de débats, nous avons décidé de répondre très très cash à des questions très dures. Tout l'inverse de ce qu'il faut pour tenir une carrière. Voilà. Déjà, ce qu'on va faire... C'est vrai ce qu'on fait. On éteint nos carrières, titre du format. Non, je vais chercher un titre de format jusqu'à la fin. D'accord. On se mettra dessus. En vrai, paintball, ça pourrait marcher. Mais il est fou. Oh putain. C'est parfait. Paintball. Mais toi, t'es incroyable là-dessus. Ah oui, t'es très très fort. Moi, j'étais sur question-réponse là.
Tu fais des, une tu fais des bêtes de vidéos, mais t'es nul en titre, c'est possible. Très nul en titre. Une bien émission bien. Sur France 3, question-réponse. Oh, j'ai peur des questions, j'ai peur du paintball, j'ai peur de Charlotte, j'ai peur de tout. Tout. C'est pour ça que je suis comme ça. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Parce qu'on l'a écrit et oui. Que ça nous amuse. Bah, les questions sont de tout genre, disons. Il y a des questions plus personnelles sur le métier, des trucs qu'on n'aurait pas envie d'avouer, par exemple. Et on va être obligé parce que si on met trop de temps à répondre, là, ça va shooter. Et par exemple, si c'est toi qui monte en premier, mm-hmm. on va poser les questions. Ok. Et on va pas donner cette responsabilité. Oh, il y a eu tellement de L. C'est pas Charlotte qui va choisir. Elle a déjà assez de taf comme ça. C'est nous qui estimons. Quand tu tires. Si la réponse n'est pas satisfaisante. Ah, carrément. Si tu bégayes, ouais. Si c'est pas satisfaisant. Oh merde. Ouais, okay, le mec, il faut le frapper avec le pied droit. Quoi. Donc nous décidons à l'aide d'un regard si c'est pas satisfaisant. Ça par contre, si tu réponds cash, si c'est ok, tu te fais pas tirer dessus. Mais tu peux prendre la décision de pas répondre si la question est trop hard, mais du coup, tu te feras shooter. Et tu auras un trou dans ton mur. On n'a pas le droit de mentir aussi, parce que si je réponds cash mais que c'est pas vrai. La transition est toute trouvée pour prêter serment, les amis. Parce que c'est une bonne remarque. On pourrait dire n'importe quoi qui nous arrange, et c'est pas ce qu'on va faire. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. J'assume tout, je n'ai honte de rien. J'assume tout, je n'ai honte de rien. C'est quoi ce serment de merde? On répète. Ah. Là, c'est répété. Peut-être que sur Twitter, ils vont faire les choqués. Peut-être que sur Twitter, ils vont faire les choqués. Choc B. Qu'est-ce qui se passe, là? Les CE1C. J'arrive pas à répéter une phrase, mais personne veut jouer. J'ai déjà essayé de faire rentrer la peau de mon sgeg dans mon anus. Alors, c'est pas possible pour moi. Ah oui, toi, tu peux pas? Je peux pas. Mais et toi non plus? Bah, moi non plus. Y'a que moi. Y'a que toi qui peux pas. À main levée, qui a déjà mis son prépuce dans son trou, Duc? Je suis seul sur une île. Moi, je te vois sur une petite île, toute petite, avec juste un palmier. T'as le prépuce dans le huc et le truc pour protéger et les animaux autour qui regardent comme ça. Et t'as un Simpson en guise de bide. My fucking mess. Allez, c'est parti. À toi de jouer. Après, j'ai des potes avec des prépuces, j'ai jamais entendu parler de ça, frère, je te jure, c'est un vrai problème. Déjà, ça concerne que les gens qui ont des prépuces. Oui. C'est une niche, une petite niche. C'est une petite niche, une niche quand même assez grande. Et dans les gens qui ont des prépuces, faut des dégénérés. Oui, donc c'est ça encore une niche. Moi, je suis dégénéré, moi. Ah, franchement. Ouais. Vous allez livrer aussi, vous, des trucs de fou, là. Ah ouais, on a trop de trucs. Moi, des repas, si tu veux, j'ai un scout en bas. Je peux livrer en deux spies. Je livrerai pas grand chose d'autre. Donc, ça buzz si on répond trop lentement. Et ça fait très peur, le bruit était très choquant. Je propose qu'on commence. Qui commence? Comment ça va, Julien, en ce moment, toi? Ça va super, et toi? C'est parti. Ça commence, toi? Ah, c'est moi qui... Ouais, j'ai beaucoup donné, là. Ouais. Ouais, moi aussi. Oh. Et Sid, c'est l'invité. Mais j'ai pas envie, hein. Mais on a écrit ce concept, oui, mais j'ai quand même pas envie. Tu sais, tu peux écrire un concept en disant, putain, il est bien, mais quand le jour J, j'aurais pas envie de le faire, je le sais. On a une minute, on fera des pauses pour débriefer. Mais là, on est vraiment dans le truc où on a eu une idée, on sait pas si elle est bien, et on va savoir tout de suite si elle est bien ou pas. En dehors de la douleur et tout. On va où, là? Oui, mais c'est exactement ça. Le format est quasiment très bête. Ah, il est stupide, précisément. On est des cons. Ah, oui. Eh ben, mets-toi dans la peau d'un con. C'est parti. Ah ouais, c'est parti, là. J'appuie. Ton avis sur les défilés de mode? J'aime pas trop les défilés de mode. Je trouve ça too much. Pour qui as-tu voté aux dernières élections? T'as pris dans le cœur? Dans le cœur, Charlotte. Dans le cœur, Charlotte. Elle a tué. Merde, le format marche pas. Le format marche okay, pas. Ok, on change le format. On peut pas dessiner Homer Simpson. C'est pas un truc plus simple. Le format marche. Le format marche. Ça marche super bien. Il est tombé comme quand tu te prends une vraie balle. Charlotte a visé dans l'organe vital. Il vaut mieux. Le plus important de l'histoire. Le cœur, instant. T'es un peu trop doué. Ça fait mal. Ah oui, oui. Le cœur. Non mais c'est pile dessus. Tu sais que ça va tellement vite que... Ça te fait un bleu. Ça va. Jilsi, David et moi, on s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat les couilles. C'est en mode turbo tanguy. Et le mec est génial, tu suis un peu ce qu'il fait. Oui, je suis. Ce nom m'énerve. On est complètement con, jackass là-dessus. Ne faites pas ça. Non, mais surtout qu'on apprécie de faire ça. On se force pas à le faire. On est voilà. Pas là. De... Après, c'est totalement consentant. Ça secoue la gueule. Là, j'analyse pas les réponses. En vrai, pour qui j'ai voté, c'est. J'ai pas du tout envie de le dire. Bah ouais, bah d'où la balle. Bah oui, bah. En fait, on s'était dit au début, tu te rappelles, on enchaîne les questions et tout. Mais en fait, quand t'es shooté, c'est quasiment impossible d'enchaîner. Il y a une pause, oui. Mais c'est après, pour ça, je pense que la pause, elle est cool. Elle t'a tiré dans l'artère aorte. Merci Charlotte, en tout cas. Très heureux de faire ta connaissance.
Est-ce que tu suis des vlogs de manière assidue de Léna? Pas du tout, je regarde jamais, je suis désolé. Combien d'argent faudrait-il te donner pour que tu quittes Internet à tout jamais? Internet, 1 milliard. Est-ce que tu peux nous donner ton code de carte bleue perso? 55-44. Oh. Pour 50 millions d'euros, tu chies dans la rue en live sur Insta? Oh putain, non! Ton avis honnête sur les fanarts de toi? Oh, putain! C'était si simple! C'est juste moche. Ça dépend. Elle est là pour en découdre! Oh, ça fait chaud! Mais t'as tiré pile sur ça, le micro là! Ça fait chaud au cœur! Ton avis honnête sur ton empreinte carbone? Elle est pas assez bien, elle est trop mauvaise. Ok, est-ce que t'es déjà allé dans un strip club? Oui, il y a longtemps. C'est quoi ta pire addiction? Je sais pas, n'est pas une réponse satisfaisante. Oh, c'est drôle ce concept, vas-y, je reste. Ouais, allez, vas-y, au revoir. Il en reste qu'une seule. Il en reste une dernière. Vas-y, direct. À quelle fréquence te masturbes-tu? Une fois tous les deux jours. Ok. Quoi? Quoi? Attends. Quoi? Quoi? Bah j'ai là, je veux dire que je oui, pense, non, super, est-ce que, dis pas. Est-ce mais... que juger les réponses, ça fait partie du concept ou pas? Parce que là, attends, on va discuter. Déjà, bravo. Bravo. Non, mais attendez. Bravo Charlotte, bravo David. Oh. Ah oui. Putain. Oh, c'est super, bravo. Oh mec, t'es un dalmatien, juste. Ça réveille. Les gars, ça réveille, je me sens bien, là. La première, ah ouais, elle fait mal, et puis après, ça passe. La première, elle choque. Ouais. En fait, la première, c'est un choc. Tu dis, c'est pas possible que ce soit ça, le jeu qu'on est en train de faire. Et après, quand t'es habitué, ça va. Non, mais les fanarts, il y en a des beaux. En vrai, le problème, c'est que... Ah, en fait, pour moi, il y a un ratio. Pour un bon fanart, t'en as 20 pas ouf. Parfois, on reçoit des fanarts et on... Je vous le dis, je suis désolé, on rigole parce que... Bah oui. Ça va pas. Non, mais c'est pas... Moi, en vrai, je pars du principe que dans tous les cas, les fanarts, ils font grave plaisir. C'est très cool de voir que quelqu'un fait un dessin de toi et tout. Ça, c'est vrai. Mais des fois, objectivement, c'est juste pas beau. Et c'est juste... des fois d'autant plus cool qu'ils soient pas beaux. Parce que s'ils étaient tous incroyables, t'es en mode, bah ils sont trop forts. Moi, ça me fait rire quand je tombe sur des trucs vraiment. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont claqués. Je vous propose un truc. Vont défiler au montage différents fanarts de nous. Ok. On vous dit pas si quand on les a reçus, on a estimé que c'était bien ou pas. Mais vous, vous faites, c'est vous, c'est les gens, c'est vous. C'est vous faites votre propre avis. Tu te branles, je trouve ça beaucoup, moi. Ouais, c'est un peu beaucoup. Une fois Augustin, t'en dis quoi? Non, le trou. Tu me dégoûtes. Et toi, Augustin? Ah, ça juge, d'accord. Augustin, le 1. Non, tous les deux jours. Momo? Une fois par semaine, max. Ouais. Oh, t'as marre? Non, moi ça peut être comme vidéo, ouais, pareil. Et vous baisez pas? Ah bah si. En plus de ça la baise. Ça dépend des phases, en fait. En plus de la baise, c'est-à-dire que dans la même journée, tu peux éken et aller branler. C'est possible. Ah ouais, okay. Ça moi, peut exister. Vous trouvez pas que quand vous branlez pas, vous vous sentez mieux? Moi, j'ai plus d'énergie, je suis mieux. Ah oui, bien sûr. Mais c'est, ah oui, bah c'est oui. Un peu connu, t'as une énergie ouais, sexuelle que tu perds. Je sais que quand tu te branles, c'est justement pour... Tu vois, pour ouais. Devenir une loque après en mode ça y est, tu relâches. Oui, oui. Y a un coup, après, il y a un coup. Ah, il y a un coup. Un coup au moral. Moi, je pleure après. Tu pleures pendant. On peut faire un big up à Charlotte. Regarde bien la précision de Charlotte. Non, c'est dingue. Hein. C'est-à-dire que Martin lui a dit ne tire pas sur le micro est là. Oh. Elle m'a dit ouais, t'inquiète, j'ai visé un peu en dessous. Wow. C'est vraiment ça. Augmenter Charlotte, les gars. Augmenter tous les athlètes. C'est comme ça que ça marche, le militantisme. Ouais, c'est comme ça en général. Le message est beau, mais on sait pas à qui ça s'adresse. Des gens, ils regardent sur la bombe. Bah, rappelle-toi, Jacques Dulac, là. Comment t'as dit? Ah oui, Arnaud sympathique. Arnaud de sa mère. Le non, gars, le ministre qui augmente. Le ministre. Luc adorable. Voilà, Luc adorable. Arnaud de sa mère. Yves Montand. Mais... Maya adorable. C'est elle en fait. Augmente les. Okay. Écoutez bien la phrase, écoutez le militant que je suis. Augmenter les gens qui méritent de l'être. Maya adorable. C'est Maya adorable. Toi qui gères ça. Je suis chaud pour y aller, moi. Sachant oui, t'as raison, la peur elle arrive. Ouais, t'as vu quand t'arrives, c'est pas. Tu fais pas le malin quand t'arrives là-bas. Mais ton cul là. Mais quoi? Mais on voit. Mais on voit rien. Si, derrière, on va. Se... Oh, là là. Oh, c'est Mimi, t'as vu en plus il a des petites fossettes. Ouais, t'as les petites fossettes de cul, c'est bien ça. Attendez deux secondes, David a raison, il y a un petit moment. Oui, tu vois quand même, hein. C'est pas si évident comme exercice. Et en même temps, après tu te fais tirer dessus, tu te fais tirer dessus. Ça Jackass, pour eux c'est de la gnognotte. Tu crois qu'il restait 20 minutes comme ça à réfléchir avant de prendre une balle de paintball? D'ailleurs là, il s'en serait pris une juste parce que le temps de réfléchir. Voilà, il aurait fait en mode vas-y, envoie une, on teste là. Non. Allez, let's go. Ok, t'es prêt? Non. C'est parti. Dis un truc maintenant pour faire démonétiser cette vidéo. C'est très bon de se faire enculer. La Corse est-elle un pays? Oui. Le tarif de ton dernier placement de produit? Non. Non. Il danse. Oh là, il est sur elle. Il est en AK. Il est en AK. En plus, j'ai pas honte, c'est juste j'ai mis du temps. Hein. Je te jure. Oui. Bah dis-le du coup. Non. Il a honte. Il veut pas dire. Non, regarde la cachette. Non, t'as raison, j'ai pas... Ça, non. J'assume.
Mais j'ai juste zappé. Non, frère, placement de produit Insta ou YouTube. Non, mais t'as pris une balle, tu vas pas le dire. Là, maintenant, ah oui. Maintenant, sur toi, t'aurais pris une balle pour rien. Là. Et c'est reparti. Est-ce que tu sens que t'es vieux et que tu comprends plus les nouvelles trends? Non. Est-ce que tu utilises vraiment un VPN? Non. Y a-t-il un créateur de contenu que tu détestes? Oui. Qui? Oh, il y avait pas marqué qui. Il y avait pas écrit qui. Qui, je voulais improviser, je l'ai senti. Ah. Bah oui, mais t'as raison, parce que... Oui. Oui. Bah oui. Oh. La pute. Putain, à cause de toi, je m'en prends. Ah, il est fort. Est-ce que t'as déjà goûté ton caca? Mais voilà. Non, mais frère, ne pas répondre, c'est répondre. Oh, elle a pas explosé, ça fait encore plus mal. Mais surtout que ne pas répondre, c'est répondre. Hein. Ah bah oui. Là, pour le coup. Mais c'est vraiment dégueulasse. Que... Mais enculé, que... va, connard. Mais la réponse, si je vais la dire, j'en ai rien à foutre, c'est oui. Non, je le sais, c'est évident que c'est oui. Écoutez, je vais vous la faire simple. Sarco merde. J'ai tout goûté. Ah. Mais quoi? Oui, comment tu veux savoir? Du caca, oui. C'est du caca. Mais pas un gros caca. C'est quoi? Un petit bout de doigt aussi. Un petit doigt, quoi. un finger au chocolat. Tranquillou. Et vous savez quoi? C'est horrible. Bah oui, c'est tous les déchets de ton corps qui sortent. Je pense que t'avais un indice. T'avais un indice dans l'odeur de merde. L'odeur. Et le nom, la merde. Il s'est pris une balle pour rien. En vrai, oui, c'est vrai que c'est un silence qui veut dire oui, j'ai goûté ma merde. Non, mais les gens qui nous suivent le savent. Je reviens de loin. Non, frérot, ah moi oui. Je te suis aussi depuis longtemps. Je pensais pas que t'avais bouffé de la merde. Non, mais mon profil psychologique, c'est que je m'entoure de gens. De merde. Je m'entoure de merde. Je m'entoure de gens qui vont me stabiliser. Car je suis instable. C'est rentré, on est rentré dans une autre phase, mais c'est important. J'ai des qualités, je vous promets. Ah, parce que nous, qui t'entourons, on n'a pas non plus décidé de se tirer une balle dans le pied. On est d'accord pour que tu sois dans notre entourage aussi. Et quand je suis descendu de la rue avec ma mère, que j'avais des couteaux pour planter des agresseurs, ma mère, elle m'a dit, mais heureusement que tu les as pas vus. Vous connaissez, je pense, cette anecdote, ouais, mais je vous jure, je les aurais plantés. J'ai aucune... Je sais pas comment vous dire. Il y a eu un manque de cadre à un moment, je pense. Voilà. Il y a eu un petit manque de cadre. J'ai une colère en toi, une haine et... Qui n'est pas une raison suffisante pour que je goûte ma merde. Mais j'ai assez de jugeote pour me dire, écoute, je vais m'entourer aussi de gens qui vont m'emmener vers un océan plus stable. Ouais, tout à fait. Est-ce que la chemise elle empêche pas un peu la douleur ou ouais, ça va? Ouais, ouais, si. Faire ton bide. Ouais, non, tu nous as niqué là. La chemise, elle a tout amorti. On reprend, est-ce que t'as mangé ta merde? Et let's go. As-tu déjà pris des drogues dures? Oui. Est-ce que t'as déjà accepté un feat à quelqu'un que t'aimes pas juste pour les vues? Non. La série dont tu comprends absolument pas l'engouement, mais tu fais genre tu aimes. Non, mais là, j'ai juste pas la réponse. Ah, ah. J'ai juste pas de réponse. Mais quoi? Mais c'est horrible. J'ai pas la réponse. Oh ah, voilà, là, c'est mieux. Ah là là, voilà. À chaque fois, je recule la même. C'est horrible, cette question, Sylvain. T'aurais pu dire, je sais pas, moi, you, t'aurais pu dire you. Mais j'ai pas inventé. J'ai pas inventé. Alors, est-ce que t'as déjà fait passer un truc sur ta boîte alors que c'était clairement du perso? Oui. Oh non, il faut faire un contrôle. Pour 27 millions d'euros, est-ce que tu refais une blackface? Non. 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 Quoi? Non. Mais quoi? T'as mis trop de temps. Mais bien sûr que non. Non. C'est oui ou non, c'est pas... C'était qu'un non, c'était un non. Frère, y'a aucun monde où c'est oui. C'est horrible que t'aies là-dessus. Il a fait... Non. Mais j'ai répondu, vous êtes des chiens. T'as fait... Non, parce que c'était les 27 millions, ils t'ont fait mal au crâne. T'as hésité là-dessus. Mais non, mais quoi? Ça rend fou. Si on dit blackface, tu réponds non directement. Automatiquement. J'écoute la question, vous êtes fous. Pour 1 milliard d'euros, vous faites une blackface? Non. Non. Il faut répondre comme ça en fait, il faut que tu t'entraînes, Raphaël. Non. En gros, dès que t'entends blackface dans la phrase, tu réponds bien sûr tout de suite l'opposé, tout de suite. Oh la vache, la peau est décollée là. Mon Simpson est différent. Ah, ton Simpson il a de l'acné. Oh, je suis vraiment une espèce d'épave merdique dans cette vidéo. Hey, j'ai mangé ma merde. Ouais, je fais une blackface pour 27 millions. Ouais. T'as vu, c'est droit, tu peux tirer une droite, c'est abscisse et ordonné pour moi là. T'essayes de faire quoi là? La ligne Maginot? Vu l'odeur, c'est plus la ligne 13. Mais... Ouais, ça clash un peu ici. Il a un problème, Jafar? C'est vrai, Jafar. On te l'a déjà dit, je suis mais, oui, si, fois, y a un live action, mec. Ah, il y a eu un live action, non? Avec Will Smith, mais le mec qui joue Jafar ressemble beaucoup moins à Jafar que toi. Maï adorable. En plus d'augmenter les gens qui méritent d'être augmentés, il faut refaire un live action avec Jafar, Gypsy. Maïa, tu vas voir le script là, sous 10 jours. On s'en occupe. On a vraiment la cour d'accord. Ah, mais c'est ça. En mode, elle tourne de séquence. Ah, mais non, mais vous êtes bien gentil, mais j'ai pas créé à faire. Oh.
tu vas. Oh le cul, putain. C'est pas possible. Chier avec ses fesses. Ah ouais, petite presse là en vrai. T'as vu ? Mais je crois que j'ai plus la presse des questions que. Oui, ah bah oui. Sid, ouais. T'as mis mon t-shirt ? Ouais. J'ai trouvé dans le dressing là-bas. Mais... Ah ouais. Je voulais pas salir le mien. C'est lavable la peinture ? Oui. Ah bah, ça va, voilà. C'est lavable de manger sa merde dans l'estomac ? Tu sais, tu manges ta merde, tu chies quoi ? Ah ouais ! Tu chies l'aliment de base. Ok, je suis prêt. Top, c'est parti. Le montant de ton AdSense du mois dernier ? 37 000. Crois-tu en Dieu ? Ouais. C'est quoi le moment où t'as eu le plus envie de balayer un fan ? Quand on a renversé de la bière sur moi en boîte. Le dernier YouTuber à qui t'as refusé un feat ? Ah non, je m'en rappelle plus, juste ! T'as vu, c'est chiant quand on se rappelle plus, juste. Oh ! T'as vu, c'est en plusieurs. Oh, oh la vache. Oh, ça me fait mal d'inviter quelqu'un qui en fait. Mais lui ça va ouf. Oui oui lui ça va ouf, ça va. Ça fait quelque chose hein. Oh putain j'ai mal là. Ah oui. Ah la vache, c'est direct hein. Oh là c'est directos. Oh putain mec. T'as vu ça secoue. Ah ouais ouais elle fait mal hein. La première elle fait un petit effet. C'est reparti. Est-ce que la passion est encore là? Ouais de fou, plus que jamais. Ton avis sincère sur les streamers? J'adore. Ton avis honnête sur les TikTokers qui réuploadent tes vidéos en 35 parties? Alors c'est mitigé parce que d'un côté ça peut donner du buzz, de l'autre côté bah ils nous volent beaucoup de trucs. Donc je suis mitigé. Ton avis honnête sur notre album? J'ai pas du tout kiffé, à part la chanson sur vos enfants. Pour 1 million d'euros, est-ce que tu déjeunes ton vomi? Ouais, bah oui. De quel créateur ou créatrice t'es le plus jaloux? Jaloux? Ouais. Ouais. Je pense pas être jaloux d'un créateur ou d'une créatrice. Tu regardes quoi en premier chez une femme? Je regarde plus les femmes. Elle est bien celle-là. Ah putain, il est fort. Quoi? Non, c'est vrai. Si, je pense que c'était honnête, hein. Je pense que c'était honnête. Moi, je le crois. Tu regardes plus les femmes? Je regarde plus les femmes, frère. Mais grave. Il est amoureux, c'est tout. J'assume celle-là avec plaisir. Non. C'est beau, c'est beau. Est-ce que tu cherches ton pseudo sur Twitter pour voir ce que les gens disent sans te mentionner? Tous les jours. C'est pas bien, frère, fais pas ça. Moi, ça va, hein. Pour l'instant. Pour l'instant, je kiffe. Le pire moment où un fan t'a reconnu? À l'enterrement de mon oncle. T'as déjà volé une idée de vidéo? Je crois pas, hein. Pas que je sache, en tout cas. As-tu déjà goûté ton urine? Non. Oh là là, c'était trop long. Oui, il est fou. Là, c'était trop long. Non, t'as hésité quand même beaucoup. J'ai confondu avec un autre truc. Quoi? Ça prend une baboule. Oh, mais l'endroit, il y a connasse. Non, pardon. Charlotte, il t'a insulté, Charlotte. Fais ce que t'as envie de faire. Ah, putain de merde. Je comprends, au même endroit, c'est dur. Au même endroit, Charlotte, c'est génial. J'ai l'impression qu'elle m'a arraché. Ah, bah, non, merde. Le doggy. T'en aurais mérité une deuxième, hein. Non. Mais hein? Oh, c'est sûr. Mais il est. Elle sur le téton. Il est violet, regarde l'autre, comme il est pas pareil. Oh. Après, le violet, le téton violet. Oh, regarde. Non, regarde, il est plein de sang. Regarde. Merde, non. C'est les risques du métier. Quel drôle de métier. Ah, la douleur au téton, c'est un truc de malade, par contre. Oh, bien joué, Charlotte, et en même temps... Oh, ça va baiser. Pardon, Charlotte. C'est sorti tout seul. Désolé, putain, ça se voit, elle m'en veut. Ouais. Ça va, je comprends. Dans cette douleur, tout est accepté. Un style de musique que tu détestes? Je sais pas, l'hard rock. Oh, c'était à deux doigts, quand même. Ouais, mais le rock? Allez, vas-y. Non, je voulais dire le métal, un truc comme ça. Ok. Enfin, vous, ce que vous kiffez, j'aime pas du tout, moi. Ouais, je peux comprendre. T'as peur que tout s'arrête d'un coup dans ta carrière ou pas? Ouais, tout le temps. Si tu pouvais redevenir anonyme d'un coup sans retour en arrière, tu le ferais? Non. Et la vidéo dont tu es le moins fier? Waouh. C'est plié là-dessus, on finit là-dessus. Fais-le ton Charles, je t'en supplie. Enlève ton bras. Ah. Oh là. Au même endroit. Non, c'est pas au même endroit. Non, elle lui a dit enlève la main et c'est pile là où t'avais ta main. Ça va. Oh, non, c'est là. Ah, t'as eu. Ça va, t'as ça réussi. Ça va. Bravo tout le monde. Putain, bien, wesh. Charlotte. Désolé, tu m'as niqué le téton. Ceci. Ah, mais le téton. Oh putain, mais le téton, il a vieilli. Le téton, il a pris 30 ans d'un coup. C'est un chorizo périmé. J'ai envie de tester un truc. Et en vrai, ça va sur les questions, je trouve. Sylvain, tu as été gentil sur les questions, Sylvain, et en même temps, il y en avait des un peu durs aussi. En fait, c'est ça, c'était bien dosé, quoi. C'est toi qui tire. T'inquiète pas. On est venu derrière. On en tire quoi, deux chacun? J'ai pas fait exprès, c'est très sensible. Ah la vache, bah encore une fois, le mur. Ouais. Je l'ai eu, non? Tu l'as touché? Je crois. Ah ouais, tu l'as touché, là. Il a bougé. Dans son sgeg. Mais.
Là, t'es en train de buter. Mais si t'arrives. Mais non, pas le mur, le mur. Même en dessous, le mur. Bah, pardon, mais j'ai pris un kiff. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. C'est incroyablement kiffant. Ah, c'est incroyable. La sensation. Vous voulez pas essayer, non? Si, moi, je vais essayer, je chauffe. Si, vas-y, mais. Moi, je pense à au mur, mais vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah, mais on vise bien, c'est je me suis enflammé. Parce qu'il y a un vrai plaisir. Fais gaffe à Augustin, je parle du trou. Oula. Oh là, il l'a jamais eu. Ouais, ouais. Faut à toi David, après on arrête de faire les cons. Après 12 bits. Oh putain, ça part très vite, c'est effectivement. Très sensible. Ouais, c'est super. J'ai eu. T'as vu, il était un peu saoulé que je tire sur le mur. Oh. Ah oui, oui. Ah, c'est bon, là, il n'y a plus de... Tu t'es ouvert un sprite ou quoi? Non, non, mais allez, non, mais non, ça ne tourne rien. Hop, hop là, finissons. Je crois que ce format là, il marche, a marché. On espère que ça vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'est fou d'avoir des idées et qu'ensuite on les voit en vrai et que ça fasse mal comme ça. J'en ai fait beaucoup du paintball, mais celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. C'est assez sadique et bête parce qu'on n'a même pas le temps de détailler des belles réponses. C'est fait... oui, c'est le principe. C'est industriel. C'est le principe, là. C'est des questions très, très cash auxquelles il fallait répondre très vite. Bien joué. Mais est-ce que ça vous a plu, les garçons? Ah, mais toujours, ouais, c'est génial. Les gens, vous nous le direz, mais, oui, mais j'ai kiffé la sensation, même si j'ai... Mais c'est bizarre parce que j'ai mal, mais genre, demande un peu, vous l'avez t'as pas vu ce truc? Moi, t'as vu? Moi, tu m'as fait... T'as vu, ma chérie? Vous l'avez pas, cette petite addiction en fait, à la douleur? Si j'avais pas eu le téton, oui. Mais là, le téton, il m'a trop... J'ai l'impression d'avoir pris une douche froide. De c'est plutôt agréable, je le sens, oui, je me sens circule. Oui, il y a un petit truc comme ça, je me sens bien. L'équipe, merci tout le monde. Merci l'équipe, merci à vous aussi les gars, merci Augustin. Dites-nous ce que vous avez ressenti, et peut-être pour un deuxième épisode, je ne sais pas. Peut-être une liste de questions pour un épisode 2. Ah oui, t'as raison, ça c'est une bonne idée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr, car telle est la cadence. Que nous kiffons d'ailleurs. C'est combien, 2-3 vidéos par semaine? Ouais, 2 ou 3. Et il y a des gens qui nous disent « Ah mais attention, faites gaffe à vous pour le burn-out et tout ». C'est dans, on le fait dans un état de plaisir et de paix qui est assez dingue. Mais oui, même les tournages, là, ils durent une heure, c'est rigolo. Ouais, ouais. Et encore celui-là, il était un peu balèze en vrai. Là, c'est un gros tournage là. Ah ouais, maintenant vrai, ça, c'est des gros tournages. Ah, ouais. C'est à côté de chez nous, on vient à vélo, il y a une équipe qui est au top. Voilà notre vie maintenant. C'est trop bien, je suis très content pour vous les gars. T'es une belle personne. C'est des très belles personnes. Thank you.